Cile, un'altra partita, bella partita. E vediamo se dopo due pareggi a casa, no? Mi sembra sono due pareggi consecutivi, si possa tornare alla vittoria. Non sarà una partita facile. Je crois qu'il faut être bien équilibré, il faut bien jouer parce que tout le monde qui vient à la maison jouer contre nous, tous ils nous attendent derrière, ils jouent sur les contre-attaques, il faut faire attention à ça. D'accordo, è una partita importante perché vincere significa staccarsi un pochino dagli altri. L'année passée, c'est vraiment la seule équipe qui m'a impressionné, qui joue bien au ballon, qui joue un beau football, et c'est ça que j'aime bien, et j'espère que ce sera un beau match de football, j'espère. Nantes fait un début de saison très bon. Maintenant, nous, on est des compétiteurs. On sait qu'on veut gagner tous les matchs. Il y a un état d'esprit, comme je dis, à cultiver depuis le début de saison. Donc, à nous encore d'être sûrs de nos forces, sûrs de nos qualités, d'aborder ce match sans pression, mais en voulant le gagner et en continuant à être ambitieux et sérieux comme on le fait jusqu'à présent. Lucky! Il y a tout le monde qui joue et tout le monde mérite de jouer. Et voilà, même le coach, il a difficile parfois à choisir, à mettre les joueurs qu'il faut. Et je crois que c'est ça qui va nous donner à progresser et qui va nous mettre vers l'avant. C'est la concurrence en fait. Le vittorie sono sempre grandi passi per andare avanti, però il campionato è lungo. Le vittorie ci consentono, di saper mantenere gli avversari a distanza.